C'est vrai, j'ai pas beaucoup de résultats. Mais, sait-on jamais, vous avez renversé les montagnes, un jour peut-être. Je ne suis pas venu seul, en hommage à celles qui n'ont pas été invitées ce soir, mais qui quelque part sont bien présentes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les éleveurs, je vous demande de faire un triomphe à Babette. Babette. Et Nicole. Babette, viens voir. Loïc, écoute bien. Babette m'a dit que tu voulais faire un stage à Biolay cet été, toi. Bah oui, moi je m'appelle Babette, je suis une petite jeunesse de 2 ans. Oh, super fort. Et donc, je vous propose de mettre en œuvre la collecte du lait de toutes les fermes des adhérents par email avec les bidons de lait en pièces jointes. Merci. On sait jamais, avec un gros débit, hein. Chose d'avenir. Nicole. Nicole, c'est pareil. Pas que t'as une idée à suggérer à nos amis de Biolay. Bonjour, je m'appelle Nicole. Je suis vache. J'ai déjà fait 15 veaux, tout ça. Au moins. Et je voudrais valoriser le lait prêt à la main pour faire un nouveau label. Des fois que les machines tombent en panne. C'est jamais. Alors, le lait prêt à la main qu'on vendrait très 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 cher, comme ça, parce que ce sera un nouveau truc, quoi. Le lait à la main, quoi. Hein? Bien. Ouais, merci Nicole. Voilà, bah, quelques idées. Vous allez reprendre vos instruments. Merci pour elle. Alors, le super public de Biolay, il va falloir que vous participiez aussi. Ça marche. J'étais peinard, on peut même dire de bonne humeur. Le type est arrivé le soir dans une superbe Jaguar. Il a fait claquer sa portière et est apparu dans la lumière. Exploitant, faut faire de l'argent. Y'a rien qui pousse sur tes cailloux, c'est pas possible, tu gagnes des sous. Sans mettre des tonnes de trucs en dessous, et là tu gagnes à tous les coups. Oui, c'est comme ça que tu feras des ronds. Moi je vais dire. Laissez bien, alors. L'histoire du synthé, en fait, on va répéter ça parce qu'en fait, moi je lui dis. Pan, pan, les bétons. D'accord, on le fait une fois. Moi je lui dis. Les bétons. Il m'a eutrophisé, je vais biodiversifier. Et avant qu'il me pollue, je lui ai mis mon pied au cul. J'étais tranquille, j'étais peinard, avec mes vaches près de l'abreuvoir. Le type est arrivé de nulle part, avec du feu dans le regard. Après m'avoir tapé dans l'œil, il m'a glissé entre les feuilles. J'ai de l'aliment, et c'est du bon. Il faut donner ce bon soja à ces vaches, il vient de Bahia. Elle est natilala, elles auront le pic comme des ballons. T'en auras pour ton pognon, moi je suis dit. C'est mon synthé en même temps. Un OGM. On va recommencer au début. Hein. Dès le début, ouais, dès le début. Vous êtes merci. On peut même dire de bonne humeur. Le type est arrivé le soir dans une superbe Jaguar. Il a fait claquer sa portière et est apparu dans la lumière. Exploitant, faut faire de l'argent.
y'a rien qui pousse sur tes cailloux, c'est pas possible, tu gagnes des sous. Sans mettre des tonnes de trucs en dessous, et là tu gagnes à tous les coups. Oui, c'est comme ça que tu feras des ronds. Moi je vais dire. C'est bien, mais il m'a eutrophisé, j'ai biodiversifié, et avant qu'il me pollue, j'ai mis mon pied au cul. J'étais tranquille, j'étais peinard. C'est du bon. Il fait déborder les bidons. Il faut donner ce bon soja à tes vaches, il y a de Bayard. Elles auront le pli comme des ballons. T'en auras pour ton pognon. Moi je suis bon. Il m'a dit OGM. J'ai dit OGM. Il me fait c'est dans mes gènes. J'ai fait casse-toi. C'est 80 chevaux. Le type surgit sans crier gare, s'est planté droit comme un poteau. Après m'avoir pointé le poing à vérifier, m'a regardé comme qui s'inquiète. C'est ton tracteur, cherche l'erreur. Vois ceux-là dans mon dépliant, ils seront bien plus performants. Tu pourras arracher et te faire toute la place pour passer. Tu seras le roi du canton. Je suis resté zen avant de lui rentrer dedans. La morale de cette petite histoire, c'est que t'es tranquille et peinard. Et le dormion t'a bon espoir de pas revoir tous ces bavards. Mais si en plus t'es pas qu'une chatte, tu auras sans doute raison de les virer à coups de latte. Des fois qu'ils reviennent à ta maison. Des fois qu'ils reviennent à ta maison. Merci beaucoup, c'est vrai que vous êtes sans ça, c'est parce que le premier numéro est toujours un peu...